Bonjour, le sujet qu'on traite dans ce court clip est le mode de branchement des piles. On va considérer 4 piles identiques de force électromotrice 1.5 V. On va les connecter en série comme le montre l'assistant. Il utilise une boîte d'accessoires qui permet de brancher les piles en série. Les 4 piles sont branchées en série, il va se servir de fil de connexion et d'une lampe pour l'allumer en fermant le circuit dans lequel la source de tension utilisée est l'accessoire formé par les 4 piles. Voilà, la lampe brille fortement. 4 piles fournissent une tension égale à 1.5 4 fois, ce qui fait 6 volts au total. Et cette tension est bien suffisante pour une bonne brillance de la lampe. Maintenant, l'utilisateur va renverser l'une des piles qui va être branchée en opposition et il va de nouveau fermer le circuit. La lampe brille faiblement. La tension fournie vaut 1.5 V x 3, moins 1.5 V, donc ce qui fait une tension totale de 3 V. De nouveau, l'utilisateur va renverser une autre pile, donc on aura deux piles en opposition, et voilà, la lampe ne brille pas. Deux piles sont en série, avec deux piles en opposition, ce qui fait une tension totale de 1.5 V x 2, moins 1.5 V x 2, donc une tension totale de 0 volts. Renversant l'une des piles, la lampe brille de nouveau faiblement. Et renversant l'autre pile en opposition, la lampe brille fortement. Merci beaucoup pour votre patience. C'était moi, Hassan Aboulsi, enseignant de physique, qui a préparé cette expérience pour la classe de seconde.